Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Aujourd'hui, nous recevons un témoignage poignant d'une personne vivant à Rouen. Nous avons masqué son identité ainsi que son visage pour ne pas qu'il soit reconnu. En attendant, tout de suite, le témoignage. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Bonjour Starpy, merci de me recevoir sur la chaîne. Je suis très heureux de témoigner aujourd'hui pour dire qu'à Rouen, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Les fumées sont parfaitement respirables. D'ailleurs, j'étais là dès le début de l'incendie. Mon potager était juste à 100 mètres. Je mange les légumes, sont parfaitement bons. Tenez, regardez, d'ailleurs, ça c'est une tomate de mon jardin. Et puis, il y a aussi l'eau du robinet. Je la trouve parfaitement normale, rien de plus à dire que d'habitude, d'un noirâtre opaque. Non, vraiment aucun problème. D'ailleurs, je tenais à féliciter et à remercier chaudement l'État français. L'État français qui a su avertir et prévenir la population en temps et en heure, puisque... Les sirènes se sont déclenchées plusieurs heures après l'incendie, c'est quand même important, les sirènes se sont déclenchées. Et je tenais aussi à remercier les journalistes, les journaleux, comme on dit chez nous. Je disais quoi? Oui, d'avoir remercié les journalistes, d'avoir fait un travail d'information sur la toxicité, mais pas trop. Des fumées de cette usine pétrochimique. Voilà, merci Starpy et à bientôt. Ce programme est présenté par Starpy Productions.